Bon, Luffy, c'est pas un kimono, c'est un tablier, mais ça va être ta tenue du jour. Ok. Parce qu'aujourd'hui, ton adversaire, Rosilève, 58 kilos. Aïe. Donc 35 kilos de cheveux. Et faut se méfier, c'est une vicieuse. Hein. Elle va essayer de te fourrer plein de choses dans la bouche, tu vois. Des avocats, des citrons. Pas de problème. On y va ? Je suis prêt. Au combat ? Allez. Let's go. C'est parti. Aujourd'hui, on va faire une recette, comme on est voisine, parce que tu es du Guyane. La Guyane, c'est ça. Donc, on va faire une recette avec les avocats, crème d'avocat. Crème d'avocat. Mais c'est un dessert. Un dessert avec de l'avocat? Oui. D'accord. Parce qu'au Brésil, on ne mange pas d'avocat salé. Ok. C'est toujours le dessert et beaucoup de sucre. Abacate. Abacate. Leite condensado. Lait concentré sucré, c'est ça? Limão verde. Tu sais couper un avocat? Alors, bah je... Oui. J'ai une astuce pour le noyau. Tu prends comme ça. Voilà. Et tu fais un petit quart de tour. Ah non. Et ça comme ça, tu t'embêtes pas. Tu vas prendre un deuxième, on va prendre deux. Muito bem. La technique, hop, hop, et on va mettre un petit peu de jus de citron. Ah oui, parce que le risque, c'est l'oxydation de l'avocat qui devient noir. Si les gens n'en ont pas de citron vert, ils peuvent mettre du citron jaune, juste pour remplacer. Oui, je sais, t'aimes pas. C'est pas le même goût. Non, c'est pas le même goût, mais pour pas que ça noircisse, on n'a pas de citron vert. Le citron jaune, on appelle ça de citron sicilien chez nous. Donc c'est une chose complètement différente. Au moins, ça empêche l'avocat noircir. Oh, elle a dit non. D'accord. Donc on recommande pas. Hop là. C'est parfait. Alors, le plus grand travail, c'est écraser l'avocat avec une fourchette. Ah, mais c'est pour ça que vous m'avez pris, moi, parce que j'ai t'as compris. De la force, quoi. Parce que t'as de la force. On peut l'aider un peu? Oui. Ah, les petits morceaux. Normalement, on allait mixer, mais on a dit qu'il fallait te faire travailler. D'accord. Alors, c'est pas nous qui avons décidé, on ne balancera pas. Okay, on dira donc, pas normalement, que c'est on met ça dans un mixeur, il bzzz, et puis ça va vite. Mais toi, il faut que tu travailles. Bon, c'est bien. Sinon, ça va trop vite. Bah, dis donc, elle est efficace, hein. Voisine, querida, je fais quel ça bras. Bien, hein. Eh oui. Regarde comme ils sont bien. Magnifique. Hein, presque parfait. C'est vraiment fort. Ouais, merci. Vraiment on a choisi bien. La bonne personne pour ça. Je crois. Alors, on va commencer à mettre le lait concentré, sucré. Je mélange. Voilà, tu mélanges. Là, je pense mélange, que c'est bon là. Non. Non, tu crois pas? Qu'est-ce qui fait la recette? C'est toi ou c'est nous? C'est sucré. Le français, le lait sucré, concentré, ils sont là. Il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de sucre. Tu peux mettre tout. Ça? Tout ça, là, pour... Presque tous les desserts au Brésil, là, je l'ai concentré, sucré. Ah oui. Là, il faut y aller, hein. Ah, vous m'avez pris une recette physique, en fait. Oh, physique, mais facile. Elle est fatiguée, t'as dit. Ah, t'es déçu, hein. Tu pensais que t'avais à faire une grande costaud, mais pas du tout. T'es tannisé du bras. On va peut-être se mettre un petit coup de bzip-zip, non? Pour enlever les derniers morceaux, maintenant que c'est liquide, non? C'est de triche tout le temps. C'est pas grave. Si t'as pas de poche comme ça, tu peux aussi prendre un sac en plastique, un sac de congélation. Je tourne. Ok. Je tourne. Il faut que ce soit bien ferme. Hein. On peut râper un petit peu de citron par-dessus. Ah, de zeste. Très bonne idée. Un agrume, tu as le zeste, le ziste et la pulpe. Donc le ziste, c'est la partie blanche. Donc l'idée, c'est de ne pas râper trop fort pour avoir que le zeste et pas le ziste. Le zeste, pas le ziste. Un petit peu de zeste, chaud. En plus, ça apporte une certaine fraîcheur sans avoir pour autant l'acidité. Et voilà, c'est fini. Magnifique. Ah, c'est super bon. Mmh. Ah ouais, c'est vraiment délicieux. Vraiment. C'est vraiment bon. Et c'est pas trop sucré. C'est pas trop sucré. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment top, je trouve. L'équilibre entre l'avocat, le citron et le lait concentré. Simple et bon, hein? Félicitations, tu l'as bien géré. Bon appétit, Trio, et à demain.